Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom du Mashiach. Notre Père d'amour, il est bon. Notre Père d'amour est bon, mes amis. Alléluia. Que nous puissions prier ensemble. Père, merci, Père, pour ton amour. Merci pour ta bonté, ta générosité, Papa. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es. Alléluia. Père, tu es bon et je suis Mashiach, Papa. Père, tu fais en fonction de nos cœurs, Papa. Alléluia. Certains, Papa, te reçoivent tout de suite. D'autres prennent un peu plus de temps. Et d'autres te refusent carrément. Que ton nom soit glorifié. Père, donne-nous là, par l'amour, la force, le courage qui vient de toi, au nom du Mashiach. Mes amis, avec l'aide de l'Esprit, nous allons parler de la persuasion qui diverge en fonction des cœurs. La persuasion diverge en fonction des cœurs. Alléluia. La persuasion diverge en fonction des cœurs. Vous voyez ça? Vous savez, c'est pour ça, mes amis, il ne faut pas chercher à convaincre les cœurs. C'est l'Esprit du Seigneur qui convainc les cœurs. Ne cherchons pas à convaincre les cœurs. Partageons simplement la parole. Partageons simplement la parole. Et intéressons-nous à notre salut. C'est ça? Intéressons-nous à notre salut et partageons la parole. Ne cherchons pas à convaincre les cœurs. Ne nous morfondons pas, mes amis. Ne nous morfondons pas. Faut pas qu'on puisse se morfondre. Alléluia. Sous le choix de l'autre, de mettre Yeshua au second plan. Si l'autre a décidé de mettre Yeshua au second plan, mes amis, c'est son choix. Et toi, regarde la Mashiach. Mes amis, parfois c'est dans la famille et ça fait mal. Mes amis, mais il faut qu'on puisse regarder la Mashiach. Faut pas se morfondre, mes amis, parce que l'autre, mes amis, a choisi de mettre Yeshua au second plan. C'est son choix. Mes amis, la persuasion, diverge en fonction des cœurs. C'est terrible, ça. On se dit, mais Yeshua est la solution. Pourquoi il ne veut pas la solution? Mais c'est son choix. Prions pour lui, prions pour elle. Mais mes amis, ne cherchons pas à convaincre les cœurs. On va se mordre, on va se casser les dents. Mes amis, Yeshua même, mes amis, notre Père, a été confronté à ça. Mes amis, Yeshua a été confronté, mes amis, à des cœurs durs. Yeshua a pleuré, mes amis, pour Yerushalem, pour des villes. Amis, Yeshua va dire, mais si ces miracles-là avaient été faits à Sodome, il y a longtemps que les habitants de Sodome se seraient repentis. Des miracles qui ont été faits dans des villes, on verra ça. Yeshua, mes amis, déclare cela, comme quoi, mes amis, c'est dur pour certains cœurs. Mais c'est terrible, ça, mes amis. Mes amis, la persuasion diverge en fonction des cœurs, mes amis. Mes amis, Yeshua va dire à Nathanaël. Nathanaël, mes amis, parce que je te dis ça, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que ça. Amis, Nathanaël a cru, amis, parce que Yeshua lui a dit, je t'ai vu avant que tu sois appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amis, et Nathanaël va dire, tu es Elohim, tu es le fils d'Elohim, tu es le roi d'Israël. Tu es le roi d'Israël, vous avez compris ça? Mes amis, et Yeshua, mes amis, Nathanaël va croire. Mes amis, et Yeshua va lui dire, parce que je t'ai dit ça, tu as cru. Un cœur disposé. La persuasion dépend des cœurs. Mes amis, la persuasion diverge en fonction des cœurs. Mes amis, le riche, mes amis, qui était en enfer, parle avec Abraham, mes amis. Alléluia. Et, mes amis, il dit à Abraham, j'ai des frères. Il faudrait que Lazare puisse aller parler pour mes frères. Si quelqu'un vient des morts,
Si quelqu'un revient des morts, mes frères vont l'écouter. Amis, Abraham va dire, mes amis, alléluia. Amis, Abraham va dire, hein, ils ont Moïse et les prophètes. Et si quelqu'un revient des morts, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne vont pas écouter quelqu'un qui revient des morts. Amis, le cœur, la persuasion, mes amis, diverge en fonction des cœurs. Amis, on va vite comprendre, mes amis, qu'il faut s'intéresser à notre salut, à son salut personnel. Sauf qu'il peut partager la parole, prêcher, mes amis, mais sauf qu'il peut penser à son salut personnel, parce que c'est l'esprit qui convainc. Hein? Et prier pour les autres. Hmm? Prier pour les amis, intercéder. Mes amis, c'est l'esprit qui convainc les cœurs. On va vite comprendre ça. Hein, mes amis, et même nous, mes amis, hein, on se laisse persuader par l'Esprit Saint, mes amis, et puis on se retrouve à douter. On se retrouve à douter, on se surprend à douter du Seigneur. Mes amis, pensons à notre salut. Comment ça? Pensons à notre salut. Mes amis, nous sommes dans Luc 16, regardez ça. Yoshua est bon, mes amis. Amis, donc, il est parlé, mes amis. Mes amis, d'une histoire, mes amis, c'est pas une parabole. Vous voyez, c'est pas une parabole, c'est pas la parabole de Lazare, le pauvre. Mes amis, c'est une histoire. Parce que, mes amis, on parle de Lazare. Donc, mes amis, vous voyez, on parle de Et Lazare. Hein, mes amis, on parle de Et Lazare, mes amis. Il a son nom. Vous voyez, c'est une histoire, c'est pas une parabole. D'accord? Mes amis, il dit, mais il y avait un certain homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Et qui tous les jours se réjouissait d'une vie somptueuse. Et il y avait aussi un pauvre nommé Élazare, couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères, mes amis. Et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Et dans l'Hadès, levant les yeux, tandis qu'il est dans le tourment, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, parce que je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Enfant, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu de bonnes choses, et Lazare pareillement les choses mauvaises. Mais maintenant, il est ici consolé, et toi, tu es tourmenté. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été fermement placé entre nous et vous, afin que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. » Et Mel dit, « Je te prie donc, Père, que tu l'envoies dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, hein, afin qu'ils leur rendent témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse les prophètes qui les écoutent. » Mais il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Mais lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. Vous voyez? La dureté du cœur. Mes amis, donc là, mes amis, il est parlé, mes amis, du sein d'Abraham et de l'Hadès. Mes amis, le sein d'Abraham, mes amis, qui regroupait, mes amis, alléluia, mes amis, les saints, le sein d'Abraham, mes amis, qui, hein, alléluia, mes amis, qui emprisonnait, hein, qui rendait captifs tous les saints qui mouraient. Vous voyez, mes amis, les justes allaient au sein d'Abraham et les méchants allaient dans l'Hadès. Vous voyez ça? Mes amis, et c'est, mes amis, ce sont ces captifs-là que Yahushua a délivrés. Vous voyez ça? Quand il est venu, hein, quand il a été sous la terre, là, vous voyez ça? Mes amis, et mes amis, hein, et désormais, mes amis, hein, il n'y a plus le sein d'Abraham, mes amis, parce que, mes amis, les justes, mes amis, vont, mes amis, leur esprit vont avec le Machia. Vous voyez ça? Vous voyez ça? On passe de la vie à la vie lorsqu'on meurt, maintenant, grâce à Yahushua Machia. C'est pour ça, mes amis, que Yahushua dit, mes amis, que les portes de l'Hadès n'auront pas, alléluia, mes amis, n'auront pas, mes amis, de, alléluia, mes amis, de pouvoir sur son église. Les portes de l'Hadès n'auront plus de pouvoir sur son église, parce que, mes amis, les justes passent, alléluia,
Les justes passent, mes amis, de la vie à la vie, quand ils meurent. Ils ne vont plus, mes amis, d'aller au sein d'Abraham. Vous voyez, mes amis, ce n'est pas une parabole, mes amis, c'est une histoire. Yoshua, mes amis, raconte une histoire. Mes amis, Yoshua est bon. Donc, mes amis, mes amis, et le riche était dans, mes amis, la partie enfer, la partie Hadès. Vous voyez, là où, mes amis, il y a les méchants. Et entre les deux, là, mes amis, il y avait, mes amis, une séparation. Mes amis, si celui-là est à gauche et l'autre est à droite, mes amis, celui qui est à gauche ne peut pas aller à droite et celui qui est à droite ne peut pas aller à gauche. Il y avait quelque chose qui les séparait. Alléluia. Donc, mes amis, et le riche parlait à Abraham, communiquait avec Abraham. Abraham qui était avec Lazare. Et Lazare. Alléluia. Donc, mes amis, le riche dit, mes amis, qu'il a des frères. D'envoyer Lazare vers ses frères. Mais Abraham va dire, mais ils ont Moïse les prophètes. Et le riche va dire, mais ils ne vont pas croire Moïse. Parce que le riche connaît son cœur et le cœur de ses frères. Hein? C'est terrible ça. Mes amis, le riche connaît son cœur et le cœur, mes amis. Il dit, Abraham lui dit, ils ont Moïse, verset 29, ils ont Moïse les prophètes qui les écoutent. Mais le riche va dire, mais il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Parce que, mes amis, il sait que, mes amis, c'était comme ça. Mes amis, il sait, que ses frères-là, alléluia, mes amis. Regardez ça. Regardez. Mes amis, donc ces cinq frères, voilà, je cherche le nombre de frères. Mes amis, il sait que ces cinq frères, mes amis, mes amis, ne se repentiront pas, mes amis, si, mes amis, même avec Moïse et les prophètes. Comment ça? Il sait ça, parce qu'il se connaît, il connaît son cœur, il connaît le cœur de ses frères. Donc, si quelqu'un revient des morts, là, il pense qu'ils vont se repentir. Mes amis, et Abraham va lui dire, même si quelqu'un revient des morts, ils ne vont pas se repentir. Ils ne vont pas se laisser persuader, mes amis. La persuasion diverge en fonction du cœur. Mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible, mes amis, au point de ça. C'est terrible, mes amis. Et on verra, mes amis, qu'il y a des gens, mes amis, qui vont écouter Yeshua, mes amis. Ils seront convaincus tout de suite. Et d'autres, mes amis, qui vont l'écouter, qui vont l'épier, ils ne vont jamais se repentir. Qu'est-ce qui se passe, mes amis, la persuasion? Hein, mes amis, Nicodémos, mes amis, il ira de nuit. Il est persuadé, mais il y a quand même la peur des autres. Mais mes amis, il est persuadé. Et c'est lui qui va, mes amis, s'occuper du corps avec un autre homme, mes amis. Il va s'occuper du corps du Mashiach. C'est ça? Avec Joseph, il me semble, de mémoire. Alléluia. Mes amis, donc mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible. Vous voyez ça? En tout cas, que la persuasion, mes amis, dépend du cœur. N'allons pas chercher, mes amis, à persuader les gens, à convaincre les cœurs. Yoshua connaît ses affaires. Regardez ça, mes amis. Regardez, pour Nathanaël, regardez ça. Nous sommes dans Jean, mes amis. Jean 1, verset 45. Regardez ça. Il dit, mes amis, Philippos trouve Nathanaël et lui dit, celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la Torah et les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Yeshua de Nazareth, fils de Yosef. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippos lui dit, viens et vois. Yeshua aperçoit Nathanaël venir vers lui et il dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de tromperie. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Yeshua lui répondit et lui dit, avant que Philippos t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, verset 49, et lui dit, Rabbi, tu es le fils d'Élohim, tu es le roi d'Israël. Vous voyez ça? C'est terrible ça. Yeshua répondit et lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des choses plus grandes encore. Et lui dit aussi, amen, amen, je vous le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges d'Élohim montant et descendant sous le fils d'humain. Allez, mes amis, le cœur disposé. Allez, mes amis, la persuasion, mes amis, a été directe.
Moi ça, un cœur disposé. Ça, mes amis, parce que, mes amis, Yahushua même va dire de la part, mes amis, hein, du Père, mes amis, il va dire de Nétanel, regardez, il va lui dire, verset 47, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de tromperie. Dès lors qu'il n'y a pas de tromperie, mes amis, le cœur est disposé. Le cœur est disposé, mes amis. C'est terrible ça, à recevoir le Père. Un cœur disposé. Un cœur disposé pour la révélation. Un cœur disposé. C'est terrible ça. Mes amis, la persuasion diverge en fonction des cœurs. Regardez ça, nous sommes mes amis. Il y a un cas, mes amis, qui est sympathique. Mais c'est dans Marc 9, mes amis. Nous allons voir le cas de ce père, mes amis de famille, hein, dont le fils est possédé. Regardez. Il va demander à Yahushua de venir à l'aide de son incrédulité. C'est terrible ça, mes amis. Regardez ça. Donc, nous sommes dans Marc 9, verset 14 à 29. Et lorsqu'il fut arrivé pour les disciples, il vit une grande foule autour d'eux et des scribes disputant avec eux. Et immédiatement, toute la foule fut frappée de stupeur en le voyant, et courant vers lui, elle se mit à le saluer. Et il interrogea les scribes en disant, « De quoi disputez-vous avec eux ?» Et quelqu'un de la foule répondant dit, « Docteur, je t'ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Et à quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai dit à tes disciples de le chasser, mais ils n'en ont pas été capables. Mais lui, leur répondant, dit, verset 19, « Ô génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Ils le lui amenèrent, et en le voyant, immédiatement l'esprit le fit se convulser, il tomba par terre et se roulait en écumant. Et il demandait au père de l'enfant, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? » Et il dit, « Depuis son enfance. » Et souvent, il l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. « Mais si tu peux quelque chose, secours-nous et pitié de nous. » Mais Yahushua lui dit, mes amis, « Si tu peux le croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. » Amis, immédiatement, le père de l'enfant s'écriant avec larmes, dit, « Je crois, Seigneur, secours mon incrédulité. » Amis, c'est terrible ça. « Secours mon incrédulité. » Mais quand Yahushua vit la foule à courir ensemble, il réprimanda d'une manière tranchante l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, moi, je t'ordonne, hein, sors de lui et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en le faisant beaucoup se convulser. Il devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Yahushua, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Et lorsqu'il fut entré à la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Et il leur dit, « Cette race-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Mes amis, donc, ce père, mes amis de famille, mes amis, hein, avait besoin, mes amis, que Yahushua l'aide au niveau de son incrédulité. Quoi ça? Amis, il avait un souci au niveau, mes amis, hein, pour croire, il avait un souci, mes amis. Et, mes amis, c'est souvent notre cas. Il faut qu'on demande, mes amis, hein, mes amis, il faut qu'on demande, mes amis, de l'aide au Mashiach. Secours mon incrédulité. Amis, le Père reconnaît, mes amis, que ses limites là, il reconnaît ses limites. Il reconnaît ses limites au niveau de la croyance, au niveau de la persuasion. Il reconnaît ses limites. Donc, mes amis, il demande au Père, amis, de l'aider à ce niveau-là. Amis, on peut demander de l'aide à Mashiach. Si on doute là, mes amis, on peut lui demander de l'aide, de venir au secours de notre incrédulité, de venir à notre secours à ce niveau-là. Amis, il faut, mes amis, reconnaître, mes amis, ces problèmes. Si, mes amis, on n'avoue pas ces problèmes, mes amis, comment on pourra demander de l'aide, mes amis? Je crois, bon, s'il n'y a que l'orgueil qui nous empêche de parler, mes amis, de reconnaître, mes amis, nos défauts. Moi, ça, mes choix, bon. Donc, mes amis, ce père-là, mes amis, va dire à Yahushua, viens au secours de mon incrédulité. Secours mon incrédulité. Je crois, Seigneur, secours mon incrédulité. Mes amis, Yahushua est bon. On a besoin, mes amis, hein, mes amis, de descendre un peu, mes amis, de s'humilier. Hein? Mes amis, c'est terrible, ça, mes amis. Hein? Regardez, mes amis. Yahushua, mes amis, va dire, hein,
Les amis, aux gens de son époque, hein, on a joué de la flûte pour vous. Hein, regardez ça, nous sommes dans Matthieu 11. Hein, vous n'avez pas dansé. Vous n'avez pas dansé. On a joué de la flûte pour vous, vous n'avez pas dansé. Regardez ça. Mais à qui comparais-je cette génération? Elle est semblable aux petits-enfants assis sous les places de marché et qui s'adressent à leurs compagnons. Et leur disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des chants funèbres, mais vous ne vous êtes pas frappé la poitrine de chagrin. Car Johanna est venu, ne mangeant ni de buvant, et ils disent, il est un démon. Le fils d'humain est venu, mangeant et buvant, et ils disent, voici un homme vorace et un buveur de vin, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors il se mit à faire des reproches, mes amis, regardez ça. Il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, on te fera descendre jusqu'à l'Hadès. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles demeureraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que le sol de la terre de Sodome sera plus supportable au jour du jugement, mes amis, que le tien. Amis, Yahushua est juste. En ce temps-là, Yahushua répondit en disant, je te célèbre Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Amis, je veux être un petit enfant. Bon ça? Donc mes amis, hein? Mes amis, Yahushua, mes amis, reproche à des villes, mes amis, dans lesquelles, mes amis, il a fait des miracles. L'ami qui n'a pas eu, mes amis, la repentance qu'il fallait. Et il compare, mes amis, ces villes-là, mes amis, à des villes qui ont été frappées. À des villes qui ont été frappées, mes amis. Quoi ça? Mes amis, il dit, mes amis, que les villes qui ont été frappées, mes amis, se seraient repenties s'il y avait eu ces miracles-là. Mes amis, dans leur sein, Sodome se serait repenti, mes amis. C'est terrible, ça. Hein? C'est terrible ça, mes amis. Sodome se sera repenti, mes amis, si les miracles qui ont été faits, mes amis, à Capernaum, mes amis, avaient été faits à Sodome. Mes amis, et vous, mes amis, vous vous rappelez, mes amis, de l'état, mes amis, hein? Hein? Des mœurs à Sodome. Et Yahushua, mes amis, notre maître, dit que Sodome se sera repenti si ça avait eu les miracles qui avaient été faits à Capernaum. Dans son sein? L'ami, c'est terrible ça. L'ami, le cœur, mes amis. Là, l'ami, la persuasion diverge en fonction des cœurs. Là, les cœurs durs comme du béton. L'ami, c'est terrible ça. On vous a joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Le fils de l'homme est venu mangeant, on dit que c'est un vorace. Jean ne mangeait pas. On dit, mes amis, qu'il est un démon. C'est terrible, ça. Donc, quel que soit ce que tu vas faire, hein, il y a des gens, quel que soit ce que tu vas dire de la part du Mashiach, amis, les gens ne vont pas bouger. Mais c'est pas toi qui convainc les cœurs. Tu donnes la parole et tu t'occupes de ton salut. Amis, c'est l'esprit qui convainc les cœurs. L'ami, c'est la personne a le choix. La personne est libre de le choisir, mes amis. Hein? Mes amis, de faire de Yahushua sa vie, mes amis, ou de mettre Yahushua au second plan. L'ami, chacun est libre. Chacun est libre, mes amis. Et nous, mes amis, on se tient dans la prière. On intercède. Sachant, mes amis, que mes amis, c'est l'enfer qui t'attend si tu refuses le Mashiach. Alléluia. Mes amis, regardez. Nous sommes dans, mes amis. On va s'intéresser à la femme samaritaine. Même pas vraiment à la femme samaritaine, mes amis. On va s'intéresser, mes amis, à ce qui va se passer après. D'accord? Juste après, mes amis, l'échange que Yahushua aura avec, mes amis, la femme samaritaine. Juste après, mes amis. Regardez ça. Il dit, verset 28. La femme ayant laissé sa jarre à eau, s'en alla dans la ville. Et elle dit aux gens,
Venez voir un homme, verset 29, qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Machia? Et ils sortirent donc de la ville et vinrent vers lui. Mais pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc l'un à l'autre, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Yehoshua leur dit, mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et la moisson vient. Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Or celui qui moissonne reçoit le salaire qu'il amasse. Or celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, la parole est véritable. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Pour moi, je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués. D'autres se sont fatigués et vous êtes entrés dans leur travail. Et beaucoup de Samaritains de cette ville-là coururent à cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage, mes amis. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Juste, mes amis, une simple phrase, mes amis, qu'une femme va dire. Mes amis, des gens vont croire. Oui, mes amis, la persuasion dépend des cœurs. Hein? Or, beaucoup de Samaritains de cette ville-là, verset 39, coururent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de demeurer avec eux et demeurait là et demeura là 2 jours. Et un beaucoup plus grand nombre coururent à cause de sa parole. Et ils disaient à la femme, ce n'est plus à cause de ton discours que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est véritablement le Machia, le sauveur du monde. Mes amis, les petits-enfants. Mes amis, ils ont cru, mes amis. Vous voyez ça? Ils ont cru, mes amis. En ce que disait le Machia. Et il restait là, il restait avec eux 2 jours, mes amis. 2 jours d'enseignement, mes amis. Et ils ont cru. Ils vont dire à la femme, c'est plus toi, c'est plus selon ce que tu nous as dit. On l'a écouté. Et en fonction de ce qu'on a entendu, eh bien, on peut nous dire que c'est le Machia. Il est véritablement le Machia, le sauveur du monde. Mes amis, ils ont cru. Vous voyez? La persuasion, mes amis, hein, diverge en fonction des cœurs. Hein? Mes amis, on peut avoir des surprises, mes amis. Hein? Des gens qui vont croire plus facilement que d'autres. Les gens qu'on ne croit pas, là, mes amis, les gens sur lesquels on ne mise pas, mes amis, ils vont croire plus facilement que d'autres. Ben oui. Des gens sont disant ouverts, mes amis. On va voir mes amis qui sont, hein, mes amis, qui sont imperméables, hein, à la parole. Imperméables. Des gens qui sont soi-disant ouverts d'esprit, mais qui sont imperméables à la parole. Un peu trop instruit, vous voyez, un peu trop instruit, un peu trop, mes amis, hein, un peu trop, mes amis, le fruit de la société. Hein? Les petits enfants, mes amis, je veux être un petit enfant. Alléluia. Donc, mes amis, les Samaritains vont croire. C'est terrible ça. Ils vont écouter, ils vont entendre, ils vont croire. Amis, les pharisiens, mes amis, ont écouté. Ils ont écouté, mes amis. C'est à eux, mes amis, que Yeshua va leur dire, hein, à qui comparer cette génération? C'est à eux. Ils ne croient pas. Quel que soit ce que tu vas faire, ils ne vont pas croire. Amis, les Samaritains vont croire, mes amis. Yeshua va parler, ils vont croire. Vous voyez, mes amis, la disposition du cœur, hein, hein, la persuasion diverge en fonction des cœurs. Regarde ça. Les amis, nous sommes dans, hein, nous sommes dans Jean 4. On a fait Jean 4, mes amis. Les amis, Yehoshua est juste. Amis, Yehoshua est juste. Nous là, mes amis, nous avons une nuée de témoins. Amis, nous avons une nuée de témoins. Mes amis, on n'a pas d'excuse devant le Machia. Mes amis, c'est comme Capernaum, mes amis, hein, n'a pas d'excuse par rapport à Sodome. Eh bien, nous, mes amis, on n'a pas d'excuse. Alors, mes amis, qu'on doit, mes amis, être réglo, mes amis, parce que le jugement va être terrible. On a une nuée de témoins, mes amis. Vous voyez ça? Et on a l'Esprit du Seigneur. Vous voyez ça, mes amis? Yehoshua est bon. Hein?
Hein? Mes amis, ne pas chercher à convaincre les cœurs. Hein? Ne pas se, mes amis, se morfondre sous le choix hein, de l'autre, hein, de mettre Yahushua au second plan. C'est son affaire, mes amis. Il a fait son choix. Même si c'est quelqu'un de ta famille, tu dois prier pour lui, pour elle. Tu dois prier, intercéder. Que Yahushua touche ton cœur. Tu vois? Hein? Hein? C'était, on doit simplement, mes amis, partager la parole. Hein? Prêcher la parole, mes amis. Hein? Hein? Et s'intéresser à son propre salut. Regarder vers Yahushua, mes amis. Fixer les yeux vers Yahushua et poursuivre notre course. Hein? L'ami, c'est le moment, mes amis, de comprendre cela, mes amis. Hein? C'est pas toi qui convainc les cœurs. Mes amis, c'est pas toi. Et ne reste pas dans des sentiments. Ne te morfonds pas pour celui qui a pris sa décision. Ça, c'est sa décision. Il faut respecter la décision des gens. Amis, et prier pour les gens. Mes amis, Yahushua est bon. Alléluia. Priez, mes amis, que Yahushua intervienne, mes amis, vous comprenez ça? Intercéder. Hein? Priez, mes amis, vous comprenez ça? Hein? Chercher, mes amis, la face du Mashiach, mes amis. Il faut se sanctifier, mes amis. Encore davantage, mes amis. Hein? Mes amis, pour, mes amis, bien intercéder comme il le faut. Hein? Et pour prier, mes amis, se mettra. Mes amis, c'est le temps de la prière, de l'intercession. C'est le temps, mes amis, de prier pour les gens. De prier, mes amis. Les gens qui passent leur vie, là, mes amis, on voit bien, mes amis, que mes amis, Yahushua, mes amis, on voit bien, mes amis, qu'on accorde à Yahushua un jour dans la semaine et c'est fini. Ou, mes amis, un moment avant de se coucher, c'est fini. On voit ça. Ça, c'est la religion. C'est pas une vie avec le Mashiach. Hein? H24, c'est pas une vie avec le Mashiach, mes amis. On voit ça, mes amis, mais il faut prier. Hein? Il faut prier, mes amis. Prêcher la parole, hein? Quand l'occasion se présente. Hein? Et en saison. Mes amis, il faut prêcher la parole. Hein? Mes amis, et prier le Seigneur. Mes amis, qu'il intervienne. On a besoin du Mashiach, mes amis. On a besoin, mes amis, du Mashiach. On a besoin de lui, mes amis. Comment ça? Mes amis, même nous, mes amis, hein, nous retrouvons à douter. Notre persuasion prend un coup parfois. Hein? On a cru au Seigneur, mais après, on croit qu'il n'est pas tout puissant. Ben oui. La persuasion, mes amis. Hein? Diverge la force des cœurs, mes amis. Il faut qu'on demande à Yahushua, mes amis, de donner un cœur crédule. De donner un cœur crédule. Hein? Que nous puissions être comme des petits-enfants, de plus en plus comme des petits-enfants, qui nous travaillent bien comme il le faut. Le choix est bon. Alléluia. Amis, que le choix soit glorifié, qu'il soit élevé. Il mérite l'adoration, notre Père d'amour. Père, reçois l'adoration, chez Mashiach. Reçois l'adoration, Père. Et nous, Papa d'amour, à te glorifier en toutes choses. On a besoin de toi, chez Mashiach, Papa. Père, quand on soit glorifié dans nos vies, dans nos cœurs, Père, on a besoin de la puissance de ta présence, Shemashia, Papa. On a besoin de toi, Papa d'amour. Alléluia, Père, que ton nom soit glorifié, Papa. On a besoin de toi, Papa d'amour. Papa d'amour, aide-nous, Papa d'amour, à nous humilier, Père, à ouvrir nos cœurs, Père, à ta parole, bien comme il faut, Papa d'amour. À être obéissance, dans l'obéissance de ta parole, Père. Que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, Papa d'amour. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es. Tu es le roi des rois et tu reviens bientôt, Papa d'amour. Et nos Papa d'amour, à regarder à toi. Hein? Papa d'amour, à regarder à toi. Ne connaître que toi et que toi crucifié, Père. Parce que toi crucifié, tu es notre solution. Alléluia. Père, merci pour ce que tu es, ce que tu fais, Papa d'amour. Nous pensons, Papa d'amour, à tous ceux, Papa d'amour. Hein? Tous ceux, Papa d'amour, qui ont besoin de toi, Papa d'amour. Tous ceux qui ont besoin de toi, Papa d'amour. De toute façon, nous avons tous besoin de toi, chez ma chère, Papa d'amour. Nous avons tous besoin de toi, alléluia, Papa d'amour. Mais Papa d'amour, ceux qui sont loin de toi, Papa d'amour, pensons à eux, Papa d'amour. Interviens dans leur cœur, dans leur vie, chez Mashiach. Interviens, Papa d'amour. Hein? Papa d'amour, de façon, Papa d'amour, à ce que, Papa d'amour, hein, qu'ils puissent, Papa d'amour, être nourris de bonne nourriture, Papa d'amour. Parce que, Papa d'amour, c'est beaucoup de nourriture frelatée sur la place, beaucoup de nourriture bizarre sur la place, Papa d'amour, des nourritures bizarres, Père. Le pur évangile, Papa d'amour, n'est pas prêché, Père. On a besoin de toi, Shemashia, Papa. Oh, Papa d'amour, tu es le roi des rois, Shemashia. Tu reviens bientôt, Père. On a besoin de toi, de ton aide, Shemashia, Père. Interviens. Mes amis, soyez fortifiés. Mes amis, soyez fortifiés. Yahushua revient. Je vous dis à tantôt. Yahushua est bon. Alléluia.